Le rôle du consultant d'entreprise, c'est d'aider à la prise de décision, analyser et diagnostiquer un problème afin d'y apporter des solutions. C'est en ce sens que le CCDE, Centre de communication et de développement de l'entreprise, lance une formation au métier de consultant. Il y a beaucoup de gens qui ont appris le métier, mais cela s'est fait de façon informelle. Donc on a décidé de créer cette cellule de formation, d'autant plus que la demande est réelle. Et beaucoup de gens font ce métier sans en avoir la formation réelle. Donc nous voulons donc créer une unité de formation qualifiante pour que nous puissions donner ce qu'il faut donner aux jeunes gens, ou bien à ceux qui font ce métier de façon informelle, à bien maîtriser les éléments, les outils de base. Les participants seront formés sur plusieurs notions, notamment l'éthique et la déontologie, la gestion du projet et le diagnostic intégral. C'est une activité professionnelle, c'est un métier et donc qui a besoin d'être appris pour avoir les compétences techniques, c'est-à-dire le contenu du métier, mais aussi pour avoir les aptitudes. Nous invitons les uns et les autres à venir s'inscrire pour participer à la formation, pour valider leurs acquis et pouvoir valoriser leurs compétences en tant que consultant. La durée de la formation est de 5 mois et coûte 500 000 francs CFA. Elle concerne les personnes de niveau Bac plus 4. Occasion pour le directeur du Centre de communication et de développement de procéder à la dédicace de son dernier ouvrage intitulé « Modèle Dioula, quel enseignement pour la création de richesses », un livre qui vise à la promotion de l'esprit d'entreprise.